Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série consacrée à la gestion de l'information et plus particulièrement au classement des documents. Et justement, on va commencer par se mettre d'accord sur ce qu'on entend par document. Pour cela, on va tenter une classification simplifiée de l'information. On va partir de la forme la plus élémentaire de l'information qui est la donnée. Ça peut être un nombre. Si l'on compte combien de visiteurs sont passés à l'entrée, l'argent qu'on a gagné, ça peut être une mesure, une température, une distance, ça peut être un nom, le nom d'une personne, le nom d'un produit, ça peut être un qualificatif, une couleur, un descriptif. Bref, une donnée, c'est la brique de base de l'information. La donnée est plutôt factuelle, elle est descriptive, elle est précise, mais finalement, elle est assez peu exploitable en tant que telle. Pour en faire quelque chose, on va souvent la combiner avec d'autres données. Quand on parle d'une personne, on évoque son nom, mais aussi son prénom, sa date de naissance, son sexe, la couleur de ses yeux, sa taille. Tous ces éléments sont à la base des données qui ne sont pas traitées de manière indépendante parce qu'elles vont prendre du sens quand elles sont considérées dans leur ensemble. Elles décrivent alors un individu à partir de données élémentaires. Et c'est en général à ce second niveau que l'on traite l'information. Et pour classer nos données, on peut utiliser des tableaux ou des bases de données relationnelles. D'ailleurs, je vous invite à voir mes vidéos spécifiquement consacrées au classement des données pour en savoir plus à ce sujet. Il existe un troisième niveau d'information, qui lui est beaucoup plus complexe. Ce sont les documents. Dans un document, on va associer beaucoup d'informations et sous des formes très variées. Ça peut être un courrier, un rapport, un livre, un dossier, un cours, une vidéo. Les documents sont beaucoup plus subjectifs que des données élémentaires, car ils amalgament de nombreuses informations en leur ajoutant une interprétation. La nature des documents est également beaucoup plus diverse. On va déjà avoir une distinction entre des documents physiques et des documents numériques, même si on peut généralement avoir la transposition de l'un à l'autre. On peut numériser un document physique ou imprimer un document numérique. Les supports des documents sont particulièrement variables. On peut avoir un courrier manuscrit ou imprimé, un rapport relié ou non, différents formats d'impression de livres avec des couvertures rigides ou souples. On retrouve aussi cette diversité des supports dans le monde numérique, avec des formats de fichiers qui correspondent à la manière dont l'information est codée. On va avoir des formats standards, de texte de base, PDF, XML, MP4, mais aussi des formats plus rares, propriétaires, qui peuvent devenir difficiles à lire lorsqu'on n'a pas le bon logiciel. Quand on s'intéresse à l'utilité et à l'exploitation d'un document en contexte professionnel, on peut parler de cycle de vie des documents. Tout document a un point d'entrée, un moment où il est créé ou récupéré. Lorsqu'on récupère un document physique ou une pièce jointe numérique depuis une source extérieure, on doit l'intégrer à notre système de classement en interne. Et d'ailleurs, ça peut poser des problèmes de format ou de nommage. Lorsque le document est généré directement au sein de l'entreprise, on va rédiger un courrier, éditer une facture, là encore, le document doit trouver sa place et être repéré. Dans un deuxième temps, le document va avoir une période d'activité. Il va alors être partagé, consulté, voire modifié, complété. C'est lors de cette période active qu'on utilisera le plus le système de classement pour accéder aux documents. Et bien entendu, il faudra se préoccuper de la confidentialité de l'information, car le document ne doit être consulté et a fortiori modifié que par des personnes autorisées. Sécuriser nos documents sera possible tant s'ils sont physiques, on va les conserver dans une zone spéciale, fermée à clé, avec des mises en garde pour rappeler leur aspect confidentiel, que s'ils sont numériques. Et là, on va leur attribuer des droits d'édition liés à des comptes authentifiés. Au bout d'un moment, notre document va être de moins en moins utilisé, parce que son contenu sera moins actuel, moins pertinent. Quand on manipulait des documents physiques, on procédait alors à l'archivage pour malgré tout conserver ce document, mais sans interférer avec les documents actifs. On le déplaçait alors dans une zone dédiée à l'écart. Il est également conseillé d'archiver nos documents numériques si l'on doit les conserver mais qu'ils sont moins actifs. Même si l'augmentation des capacités de stockage a rendu cette pratique plus rare, c'est plus efficace et plus écologique. Et là encore, le classement s'avère essentiel pour rechercher dans les archives en cas de besoin. Enfin, il faut évoquer la fin de vie du document, sa destruction. Un document peut déjà cesser d'exister de manière accidentelle. On peut perdre un dossier, se le faire voler, perdre une clé USB, détruire un disque dur, subir une inondation ou un incendie. Dans ce cas, ce sera une fin de vie involontaire et prématurée. Qu'il faut éviter à tout prix. Mais le plus souvent, on décide de détruire sciemment nos documents. Il faut pour cela qu'ils soient jugés inutiles et qu'on n'ait pas d'obligation légale de conservation. Dans ce cas, on va jeter nos documents physiques à la benne, éventuellement les brûler ou les déchiqueter. Et pour nos documents numériques, eh bien, ça va être pareil. Il faudra bien anticiper toutes les conséquences de cette destruction et surtout déréférencer le document afin que personne ne perde du temps à rechercher quelque chose qui n'existe plus. Classer nos documents, c'est donc primordial, quelle que soit leur nature et à tout moment de leur cycle de vie. Pour cela, on va avoir besoin de mettre en place des stratégies spécifiques. Plan de classement, plan de nommage, plan d'indexation. Et je vous invite à consulter mes vidéos qui détaillent chacun de ces outils. Et lorsqu'une entreprise veut s'attaquer vraiment à la gestion de son système d'information, elle peut s'aider d'un système automatisé. C'est une solution de GED, gestion électronique des documents. La GED intervient automatiquement au niveau de chaque document en les répertoriant dès leur création, leur acquisition ou leur numérisation, en gérant leur stockage, leur nommage, leur indexation, leur circulation et les droits d'accès associés.